Fali Poupa, Tinaï Poupa, Nana Ketchup, asseyez-vous. Fali, tu sais que tu n'as plus d'actualité. Tu n'as plus d'actualité. Tu es devenu comme un petit lézard, comme un petit tête bleu qui fait comme ça là pour intimider les gens. Mais où est comme un serpent? Tu ne peux pas. Tu n'as pas d'actualité. Tu ne peux pas, Fali, tu ne peux pas. Tina Ipupa, je pense que tu as compris l'émission que je t'ai envoyée. Tu as compris les messages. Il est temps de se comporter comme une tante. Toi qui as perdu la valeur traditionnelle, même les valeurs de base, ne les as plus. Juste à cause de petites miettes. Nana Ketchup. Elle se comporta comme une fille de 15 ans. Elle a oublié qu'elle a des affaires à la maison. Les affaires sont oubliées à eux-mêmes à cause de Snapchat. Assis-toi là-bas. Chers amis, partagez la vidéo, commentez, abonnez-vous, aimez la vidéo encore une fois, parce que c'est les tontons. Muyomba bato toyote iko na sema. Quatre messages. Na kocha ba téléphone, je vais mettre le numéro de téléphone de ces gens-là qui m'ont appelé juste pour m'insulter. Je suis surpris comment on a trois appels Esaïa France kaka 33 plus moko ya Congo. Congo, tu vas m'appeler, tu m'envoies les voice na WhatsApp ya kofinga na naza muninga na ngai te akole sa famille nanga ma chère nga naza koya zala wana. Je commence avec Tina d'abord. Tina Ipupa, tu t'es fait rabaisser à un niveau inexplicable. Tina Ipupa, tu commences à manger les miettes d'une concubine à ton frère. Est-ce que Nana Ketchup vraiment est capable de te rabaisser comme ça, Tina? Tu es devenu comme une poubelle. Tu es devenu comme une personne moins value. Tu n'as pas de valeur la femme, je ne sais pas, Nana Ketchup. La femme que tu devais éduquer, tu n'es pas soi disant que quand même tu t'en autant à mouquer. Tu devrais éduquer Nana Ketchup. Tu devrais montrer à Nana Ketchup comment on se comporte. Et regardez les chers amis, vous ne comprenez pas ce qui se passe dans les réseaux sociaux, dans les milieux congolais. Quand Fali Poupa a été intronisé comme le roi, comme le prince de leur tribu, de leur tradition, vous aviez vu l'absence de Nana Ketchup, n'est-ce pas? Tout le monde a vu l'absence de Nana Ketchup. Les gens n'ont pas compris, c'est moi qui ai donné la révélation. C'est parce que Nana Ketchup n'est pas reconnue comme la femme de Fali Poupa. C'est une concubine simple. C'est pour cela que Nana Ketchup n'a pas été là, même à côté. Elle n'a pas été dans les décors, elle était chassée. Chaque fois que je vous dis que Fali, la famille de Fali, tout le monde n'aime pas Nana Ketchup. On n'accepte pas Nana Ketchup. Mais c'est Tina Ipupa seulement, puisqu'elle veut de l'argent. Nana Ketchup est en train de corrompre chaque jour Tina Ipupa avec de l'argent, avec des petites miettes, juste pour la faire accepter dans les milliers de Congolais. Mais Fali Poupa lui-même, il sait. Fali Poupa, il sait que Nana Ketchup n'est pas sa femme, n'est même pas, c'est seulement sa concubine. C'est pour cela que vous n'allez jamais voir Fali. Même dans les médias internationaux, je ne sais pas où dire internationaux, Fali n'a jamais prononcé le nom de Nana Ketchup, jamais. Quand on parle de, il a toujours dit qu'il a femme. Mais quand on parle de, on lui pose des questions concernant ses affaires, il a toujours cité les affaires de Nicki Minaj. Comprenez maintenant la réalité. Pourquoi quand on lui parle des femmes, il ne cite pas le nom des femmes, mais quand on lui pose des questions concernant les affaires, il amène les noms des affaires de Nana Ketchup, de Nicki Minaj, pardon. Cela veut dire qu'il y a une reconnaissance pure et simple de Nicki Minaj par rapport à Nana Ketchup. Et puis si vous écoutez les noms,
Nana Ketchup, Bafana et Nicky Menga, Barcelone. Vous qui m'écoutez maintenant, entre Bafana, Bafana, l'équipe de l'Afrique du Sud, et l'équipe Barcelone de l'Europe là, qui est mieux? Quelle est la meilleure équipe? N'est-ce pas la Ligue des Champions, c'est la Ligue des Vainqueurs qui est Barcelone. Ici, quand on parle de Bafana, ce sont des choses qui ne vont nulle part. Ce sont les équipes-là qu'on ne considère même pas en Afrique. Même Coupe d'Afrique, Bafana ne va pas. Les Bafana, Bafana ne vont pas. Même Coupe d'Afrique ne vont pas. C'est ça la différence entre Kafali, entre Nana Ketchup et Nicky Menga. Kafali Poupa s'est mis pour donner, mettre la différence entre ces deux femmes. Il avait, c'était un monsieur qui avait les visions de loin. Il a vu Nicky Menga, c'est Ligue des Champions. Et puis Bafana, Bafana, l'équipe qui ne va même pas Coupe d'Afrique. On ne connaît même pas. S'il y a des personnes ici qui ne savent même pas qu'est-ce que c'est Bafana, Bafana. C'est l'équipe de l'Afrique du Sud. Maintenant, Tina, toi qui veux manquer du respect à votre tribu, aux assiettes de votre tribu, on a intronisé Fally comme prince en tant que célibataire. Il a été célibataire là-bas puisque sa vraie femme, il est séparé à sa femme. Ils sont séparés à Nicky Menga. C'est pour cela qu'il n'était pas là. Il était seul en tant que séparé. Si vraiment Nana Ketchup était sa femme, pourquoi Nana n'a pas été là? Maintenant, toi, Latina et Poupa, c'est à toi de régler la situation familiale de Fally Poupa. Si tu aimes vraiment Fally, c'est à toi de régler la situation là. Au lieu de l'avenimer, c'est à toi de l'apaiser. C'est à toi d'amener le climat de la paix, le climat doux, le climat d'amour, le climat de réconciliation. C'est ton travail, Tina et Poupa. Si je fais l'émission comme ça, là, c'est parce que je t'aime, Tina. J'ai besoin que tu comprennes les réalités de la vie. À l'absence de Fally Poupa, tu seras tellement... tu seras pointé du doigt si tu ne retires l'absence de Fally. Si Fally partait aujourd'hui, c'est toi qu'on va pointer du doigt. Tu sais, tu vas commencer à crier comme un petit gamin sur les réseaux sociaux comme ça. Tu seras content d'avoir une rupture définitive entre les affaires de Fally et Poupa. C'est toi, Tina et Poupa, qui est à la tête de tout ça là. Je veux continuer toujours parce que j'aime les femmes africaines. J'aime la valeur de la femme africaine. C'est pour cela que je suis en train de pousser toujours Tina et Poupa. Je suis en train de la pousser puisque c'est elle qui a la clé maintenant de la réconciliation de la famille. C'est elle qui connaît vraiment là où ça sent mauvais. C'est elle qui sait quelle sorte de parfum il va utiliser pour finir l'odeur de la famille. C'est elle qui est vraiment assise bien pour déterminer là où ça ne va pas et pour réconcilier la famille. C'est elle qui est la grande sœur à Fally Poupa. Et c'est elle qui doit dire le dernier mot. Pourquoi elle doit toujours s'arranger derrière les petites miettes qui ne vont servir à rien, toute une famille? Ezanga Gilmas, je parle toujours avec connaissance de cause. Les jours où les gens-là vont se réconcilier, vous allez voir Fally dans la joie. Les jours où ces gens-là vont se réconcilier, vous allez voir Fally en train de sourire comme un homme. Regardez la façon dont Fally sourit. Comme un bulldog. Il ne sourit même pas avec gaieté. Vous ne voyez pas même la joie quand vous voyez Fally en train de sourire. Il ne rit pas, il ne sourit pas. Il est toujours là comme ça. Mais le jour où il y aura la réunification, la paix, l'amour entre ces affaires-là, vous allez voir le vrai sourire de Fally Poupa. Le sourire qu'on voyait pendant qu'il avait la chanson éternellement, c'est ça le sourire qu'on veut voir de Fally Poupa. Nana Ketchup, à peu près 50 ans, que nous avons colo. Les Snapchat ne vont t'amener rien. Ils vont t'amener rien dans la vie. De tout ce que tu veux montrer aux gens que toi, tu es à l'aise, c'est mensonge. La personne qui est à l'aise ne chante pas. Mobutu n'a jamais crié Mobutu Oye. Non, ce sont les gens qui sont à côté de Mobutu qui disaient Mobutu Oye. Tu ne peux pas nous mentir avec des Snapchat, Nana Ketchup. Tu ne peux pas nous mentir.
Puisque la réalité, c'est à l'intérieur, ce n'est pas à l'extérieur. Tu es en train de nous mentir avec des images. On voit, on sent bien que ça ne va pas. Partout où Fally est avec toi, Fally n'a jamais été content. C'est comme si tu as toujours forcé Fally à faire quelque chose. Tu as toujours été là pour créer quelque chose qu'on puisse voir que tu es avec Fally. Mais Fally ne nous a jamais montré qu'il est avec toi. Ni de près, ni de loin. Il ne nous a jamais montré ça. Moi, je ne vais pas beaucoup parler. Je suis là seulement pour vous donner des orientations de la réconciliation de la famille. Niki Menga n'est pas votre niveau. Elle a déjà sauté à l'écart bas niveau. Elle est dans l'autre monde. Elle vit dans l'autre monde. Elle fait sa vie paisiblement, à l'aise. Si vous la calculez en faisant des jetons, vous perdez votre temps. Aujourd'hui, je pense que je vais clôturer avec le sujet ici. Je vais sauter sur autre chose. Mais je vous ai donné déjà une bonne leçon. Tina et Poupa, c'est toi qui as la clé. Nana Ketchup, conforme-toi comme une femme pour que tu aies un mari dans ta vie. Tu as déjà plus de 5 enfants, mais tu te comportes comme un enfant de 15 ans. Fally n'a pas besoin de ça. Fally a besoin d'une femme dans la maison, pas d'une fillette dans la maison. C'est moi, Gilmas, l'homme de vérité, ange de lumière.